un programme pour se maintenir en forme. Alors on va commencer par les mains, on va venir bouger les doigts dans tous les sens, comme si on allait à droite, à gauche pour faire du piano. Voilà. Très bien. On va venir ouvrir et refermer les mains. Allez, 1, 2, on pense bien à souffler, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va venir toucher les genoux puis les épaules. Et à chaque fois, on va venir souffler. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va aller chercher tout là-haut. Et hop, on redescend. Quand on monte, on souffle. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on va aller chercher loin devant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va aller chercher sur les côtés et on ramène au niveau des épaules. Allez, 1, 2, on pense toujours à souffler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et on va pouvoir relâcher un petit peu. On va s'avancer un peu, on va avancer un peu les fesses sur le rebord de la chaise. Alors pas trop avancer pour pas non plus tomber. Et on va venir donc déposer les pieds bien à plat. On descend le dos et on remonte en soufflant. On descend un tout petit peu et on remonte en soufflant. Allez, 1, 2. Si c'est trop facile, on peut redescendre un peu plus bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Alors maintenant, on va aller chercher à se tourner complètement comme si on voulait serrer la main de son voisin de droite. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, 1, 2, on pense toujours à souffler. 3, 4, 5, 6, 7, on tord bien. 8, 9 et 10. Parfait. On prend le temps de souffler. Soufflez bien. Et cette fois-ci, on va aller chercher une fois à droite, une fois à gauche. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Et 10. On relâche et là on va venir travailler un peu les jambes. Donc on va venir lever le genou droit puis le genou gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va lever le pied droit puis le pied gauche. Bien entendu. Allez, 1, 2, on pense toujours avoir le dos bien droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Alors maintenant, on va mixer un peu les deux. Donc on va venir lever le genou droit, puis on va donner hop, un coup de pied. Allez, on lève le genou et hop, on donne un coup de pied. Allez, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9 et 10. On prend le temps de souffler un peu. Et là, on va venir écarter et on rapproche les pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va mettre maintenant un pied devant, un pied derrière. Et hop, on alterne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Soufflez bien. Alors, maintenant, on va faire deux mouvements différents. Donc, on va commencer par venir tendre talons pointe de pied. Donc, on monte sur les talons, sur les pointes de pied avec les jambes. Et en même temps, on va venir tourner les poignets. On peut même accélérer si vous trouvez ça trop facile. Hop. Très bien. Maintenant, on va venir lever le pied droit puis le pied gauche. Très bien. Et une fois qu'on va lever le pied droit, on va lever aussi la main gauche. Hop. Et inversement. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4, 5, et on relâche. Très bien. Alors maintenant, on va venir lever le genou droit, puis le genou gauche. Et en même temps, on va venir ouvrir et refermer les bras. Donc les deux ensemble, ça donne ça. Très bien. Alors maintenant, on va faire un peu plus compliqué. On va venir écarter, rapprocher. Et en même temps, on va faire des petits battements de bras. Allez, soufflez bien. Très bien. Et on relâche. On relâche, soufflez bien. Alors, on va pouvoir s'étirer. On va venir tendre la jambe droite. On va ramener la pointe de pied vers soi. Et avec la main droite, on va aller en direction. On n'est pas obligé d'aller toucher. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, tout fait bien. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On relâche. On va venir tirer sur le genou droit. Puis le genou gauche. Très bien. Et on relâche. Parfait. On va mettre un pied derrière la chaise, en dessous de la chaise. Et on va essayer de vouloir le ramener vers l'avant et ça va être tiré sur le dessus de la cuisse. Et on va faire la même chose avec l'autre pied. Donc on a toujours un pied qui est devant et un pied en dessous de la chaise. Très bien. On va tendre le bras droit et on va tirer tout doucement sur les doigts. Tout doucement. Pour étirer les avant-bras. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On y va vraiment tout doucement. Parfait. Avec le bras droit, on va aller chercher
du côté gauche. Et avec la main gauche, on va pousser sur notre coude. Voilà. Alors, on ne s'arrête pas seulement à l'épaule, on va chercher loin, loin, loin derrière le dos. Et on maintient. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours un bras qui va chercher derrière et l'autre bras, l'autre main qui va aider à pousser. Très bien. On va pouvoir relâcher. On va venir croiser les doigts. Hop, on tourne tout doucement. Et on lève, on lève, on va lever tout doucement. Et on pense bien à souffler à chaque fois. Allez, on maintient encore un peu. Et on relâche. Très bien. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée.